Lakota lived a spiritual way of life. It's not a religion. Les Lakota, et particulièrement donc son ancêtre, Sitting Bull, menait et mène encore, pour ceux qui sont encore connectés à tout ça, une vie spirituelle. Alors, la spiritualité, ce n'est pas du tout la religion. C'est quelque chose qui est en mouvement, qui n'est pas figé, qui n'est pas écrit dans des livres. C'est une spiritualité vivante dans laquelle, grâce à la pipe sacrée, la chanupa, on va pouvoir communiquer avec les esprits des ancêtres et recevoir des messages. Et pour pouvoir recevoir ces messages, il faut avoir beaucoup d'humilité, être humble, pour pouvoir les comprendre et les recevoir. Il ne faut pas être tourné vers le passé, il faut être tourné au contraire vers l'avenir. Lui, il dit que les messages qu'il reçoit des esprits sont toujours en Lakota, c'est-à-dire sa langue à lui, la langue que lui a appris sa mère. Et il dit que donc, quand on va aux États-Unis et qu'on rencontre des hommes médecine ou des femmes médecine qui ne parlent pas Lakota, quand ils le sont, lui, il ne comprend pas comment ils peuvent recevoir des messages parce que les esprits ne parlent pas l'anglais parce qu'ils trouvent que l'anglais, c'est une langue inversée où un mot peut avoir plusieurs significations et donc être trompeur, alors qu'en Lakota, chaque mot a une racine et a un sens unique. Je vous explique en fait que chaque culture a sa manière à elle de communiquer avec le grand esprit. Les Lakota appellent Wakan Tanka, c'est-à-dire le mystère sacré. Donc en effet, c'est la chanupa et cette pipe, c'est vraiment elle qui permet à l'individu de communiquer avec le sacré. Le moment en fait où la tige de la pipe et le bol de la pipe, le bol représentant le féminin et la tige le masculin, au moment où en fait on les lit, c'est comme s'il y avait une activation. Et après, au moment où on met le tabac, c'est là en fait qu'on peut commencer à prier, sachant qu'il faut vraiment parler avec son cœur et si possible dans sa langue maternelle, parce que c'est la langue que comprennent nos esprits protecteurs. Et une fois qu'il te répond, il faut aussi faire des offrandes, parce que c'est toujours de donner, de recevoir. Donc on reçoit un message, on offre du tabac, il y a quelque chose autour de ça dans cette spiritualité qui fait qu'on est tous connectés. Et en fait, les esprits te donnent des messages. Le Humbalechia, qui est la quête de vision, et en Lakota, ça veut dire pleurer toute la nuit en espérant recevoir une vision. Et bien sûr, il a reçu aussi des visions au cours de Sundance. Donc la Sundance, c'est une cérémonie un peu sacrificielle où c'est souvent des hommes, en tout cas chez les Lakota, qui donnent leur sang, leur sueur et leurs larmes pour la survie de l'humanité, de la terre et de leur culture. Et c'est au cours, entre autres, d'une de ces Sundance que les esprits lui ont demandé de partager les visions qu'il avait reçues et qui viennent du futur. Chaque spiritualité a ses propres moyens de communiquer avec les esprits ou avec le sacré. La première chose à faire, en fait, à partir du moment où on veut entrer sur un chemin spirituel, c'est d'essayer de comprendre. Tu dois comprendre qui tu es. Tu dois entrer à l'intérieur de toi-même, comprendre qui tu es et comprendre finalement quelle est la spiritualité, peut-être, qui va te permettre d'avancer sur ton chemin spirituel. Et plus on a vieilli quelque part, et plus c'est difficile de faire ce chemin et de comprendre qui on est. Pour lui, les Sundance, c'est quelque chose, bien entendu, de tout à fait sacré, constitué de protocoles que normalement on ne peut pas modifier en fait. Donc tout dépend de comment les Sundance sont arrivées en Europe, par qui elles ont été transmises, est-ce qu'elles ont été transmises avec les bons protocoles, et après voilà, est-ce que c'est... lui, il dit que... il est un peu neutre, c'est-à-dire qu'il ne va pas dire c'est bien, c'est pas bien, il ne va pas vous dire ne faites pas de Sundance ou faites-en. La seule chose en fait qui est importante pour lui, c'est que ce soit juste pour vous.
Les esprits lisent le cœur, en fait. Donc, à partir du moment où vous êtes sincère et si vous êtes dans votre langue maternelle de manière très sincère, une communication peut avoir lieu. You know, when I was growing up in the 50s, you know, we lived on a reservation at home. Quand Ernie a grandi dans la réserve de Pine Ridge, dans le Dakota du Sud, la personne qui lui racontait des histoires, c'était sa mère. La chose la plus importante qu'elle a essayé de lui transmettre, c'était l'idée qu'en fait, il ne fallait jamais avoir peur, qu'il ne fallait jamais avoir peur de rien. Parce que c'était de la peur que naissaient un peu tous les maux de l'humanité. Quand il a eu à peu près 8 ou 9 ans, il est parti vivre à Rapid City. Sa mère lui a dit, quand tu vas arriver là-bas, les gens vont te regarder bizarrement, qu'ils n'auront pas de respect pour toi à cause de ça. Il a dit, bah, c'est quoi le problème de ma main? Et elle lui a dit, non, c'est pas ta main le problème, c'est la couleur de ta peau. Et elle lui a dit, par contre, ne les déteste pas. Eux, peut-être, te détesteront, mais c'est simplement parce qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne savent pas qui tu es. Et quand il est arrivé à Rapid City, il y avait d'autres familles natives qui s'étaient installées aussi. Et il avait le sentiment, enfant, qu'ils avaient tous le même socle culturel. On les avait élevés dans le respect du vivant. Donc le respect aussi bien des animaux, de la nature, l'idée de la connexion et le respect des autres êtres humains aussi. Ils se voyaient en tout cas comme tous égaux. Quand il est arrivé et qu'il a rencontré les petits Américains blancs, les Wasichu, il avait l'impression qu'il vivait dans la peur et que c'était de cette peur justement que découlait le racisme, la jalousie, les envies, enfin voilà, et le racisme particulièrement très violent. Il dit que l'arme que eux avaient, c'était l'humour. Et donc voilà, et en fait, eux, c'est vraiment, ça fait partie de leur culture, l'humour, en fait, de réussir à faire rire quelqu'un, c'est quelque chose de très important. C'est même un moyen, en fait, de faire comprendre les choses. Si on a réussi à faire rire quelqu'un, on arrive quelque part à ancrer dans sa mémoire l'enseignement qu'on a voulu lui transmettre. Et en fait, donc, le racisme ne s'est jamais arrangé, c'est même de pire en pire. Et il dit que de toute façon, ce racisme s'est répandu vraiment dans le monde et ce n'est pas simplement envers les natifs qu'il s'exprime. C'est cette idée de ne jamais céder à la peur. Et c'est la peur vraiment qui va vous contrôler si vous lui cédez. L'idée que tu dois entrer à l'intérieur de toi, que tu dois être ton propre professeur. Les messages et les solutions que tu cherches ne sont pas à l'extérieur. Et il faut vraiment que tu apprennes à comprendre qui tu es, à te regarder. Si vraiment chacun est son propre professeur et si chacun fait l'effort de se regarder lui-même, qu'on pourra peut-être être enfin solidaire et essayer de regarder ce futur qui s'annonce et qu'on puisse vivre avec cette solidarité pour essayer de faire quelque chose. Quand il a été à l'école chez les Blancs, donc, il a remarqué que l'éducation était tournée vers le passé, tout le temps. Et que c'est peut-être pour ça que le passé n'arrête pas de se répéter. Et que dans la spiritualité et la manière de voir la Lakota, il faut être dans le présent et tourner vers le futur. En effet, il y a quelque chose autour de cette idée de cette peur qu'il va falloir à un moment lâcher. Le monde est un peu contrôlé par la peur et ça marche. Par rapport aux visions qu'il a eues, c'est des visions aussi que partagent les natifs Hopi. C'est vraiment cette histoire de grande purification qui est une espèce de régénération de la terre. C'est dans des moments comme ça qu'il faut au contraire ne pas sombrer dans la peur. Dans leur spiritualité, ils disent qu'il y a eu quatre mondes différents. Derrière cette purification, il y aurait sans doute un cinquième monde. En tout cas, c'est un changement de quelque chose, ça c'est certain. Il faut vraiment lâcher le passé, en fait, et lâcher la peur surtout, et de ne jamais revenir à elle, puisque c'est comme ça que tu deviens hypnotisé, c'est comme ça que tu es contrôlable. Ça veut dire de revenir aux vraies valeurs, les valeurs que lui transmettait sa mère, qui sont les valeurs de la vie, Lakota, qui sont quatre valeurs, la compassion, la générosité, l'humilité et la bravoure, le courage. Voilà. Donc c'est vraiment l'idée de la compassion, c'est-à-dire souffrir avec les autres, donc avoir de l'empathie aussi pour eux, la générosité de ne pas accumuler pour soi, de pouvoir partager, l'humilité face au sacré et face au sacré de la vie, entre autres du vivant.
et donc le courage, bien sûr, donc de ne pas être atteint, de ne pas être atteint par la peur. Donc les Lakota, pour lutter et pour essayer justement de désamorcer cette peur, leur arme numéro une, encore une fois, c'est l'humour, qui peut être aussi l'humour envers soi-même. En fait, à partir du moment où tout d'un coup on peut commencer à voir les choses avec humour, tout d'un coup la peur ou la terreur peut s'effacer. Et ce qui nous dit aussi, c'est que dans leur culture, les hommes médecine, les femmes médecine, ils ont été choisis et désignés par les esprits. C'est pas du tout un choix. C'est pas eux qui un jour se disent tiens, je voudrais bien être homme médecine. Non, en général, ils passent par des épreuves initiatiques où c'est dès l'enfance qu'ils ont des espèces de cauchemars ou de rêves ou de choses. Et en fait, ils savent qu'ils vont devoir faire ça, mais c'est pas un choix en fait. C'est pas une quête spirituelle pour le coup. La spiritualité, après, vient dans un deuxième temps. D'abord, ils doivent passer l'épreuve, avoir été... et c'est un peu une charge, quoi, parce que du coup, ils vont devoir se faire et servir les esprits qu'ils servent. Donc, ils disent que les hommes médecine et les femmes médecine, c'est comme des os creux, un os creux. C'est comme un canal. Et c'est le grand esprit qui va passer à travers eux pour guérir. Dans les signes qu'il avait reçus, donc, dans ces cérémonies, dans les années 90, de grandes tempêtes, de grands feux, des éléments, en fait, qui commençaient à se rebeller contre nous, les humains, et avait annoncé aussi cette grande maladie que lui, en tout cas, relie à cette immense pandémie, bien sûr, de Covid, qui a ravagé un peu, en tout cas, le monde et la manière qu'on a d'habiter ce monde, qu'une période de calme, comme un peu, vous savez, juste avant la mort, parfois il y a une période de rémission et de calme magnifique, pourrait arriver. Et que c'est ce moment-là, il faut vraiment en profiter pour justement s'éveiller, essayer de se reconnecter à son vrai soi, essayer de se connecter à ses ancêtres, à ses esprits protecteurs, parce que vraiment, c'est dans ce calme-là qu'il faut essayer de développer sa compassion, sa générosité, son humilité, son courage, parce que peut-être que la vague, la vraie vague, celle de la Terre Mère, pourrait arriver derrière, et qu'en fait, c'est simplement quelque chose à traverser. People don't understand that our culture. Sa culture, c'est une vie difficile. On peut être nous, comme ça, d'Occident, on peut trouver ça très joli, très sympa. Et en fait, c'est une spiritualité qui est assez demandante et assez rude. Et une fois qu'on est dedans, on ne peut pas faire demi-tour. C'est quelque chose dans lequel il faut s'impliquer. À partir du moment où on commence à passer des espèces d'accords avec ses esprits, on ne peut pas repartir en arrière, vraiment. Et voilà, et après, il dit que pour lui, chaque cérémonie, donc chaque, quelque part, les morceaux de cette culture appartiennent à chacun, à chaque personne qui continue à nourrir cette culture et cette cérémonie. Et il dit que ces cérémonies à lui, quand il est chez lui avec sa pipe, vont être un peu différentes de celles de son voisin ou de celles de sa voisine. Le plus important, c'est d'être donc sans peur et d'être fidèle à soi-même et d'être humble face au grand mystère. Le takun omachi omaya shipina takun kune waglaki glina chante et chata wachiche akapelo chata chante washtea Après qu'il est né, n'est bon à Malakan et à Malakan qu'il est né, t'en a à Yablisa, bien que je vous pile à Trinkat. Oh.